Salut à tous, ici Red Ripley. Oh, je commence déjà par tirer dans le vide, ça c'est fait. Donc c'est Red X Ripley, toujours là. Alors, j'ai fait le plein de bestioles suite aux précédentes chasses. Suite aux précédentes chasses. Précédentes chasses, j'ai fait le plein de bestioles. On va en profiter pour l'herbe. Oh là là, les lags du début. Ah non, je vais crash le jeu. Ah, quoique. Okay, on va laisser charger un petit peu, on va continuer de parler. Donc j'ai fait le plein de bestioles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré des raptors, j'ai récupéré un sarco, tiens. C'est pas un Sarkozy, mais c'est un sarco saloperie de bestiole. M'a cassé les pieds, je l'ai tamé. Bon, évidemment, le tame poisson ça aide énormément. J'en ai eu un peu marre, donc je suis allé récupérer. Enfin, j'ai réussi à attraper une bestiole volante là. Je sais plus le nom. Donc, du coup, je suis allé récupérer mes petits. Enfin, ce qu'il en restait. Il reste le 47, le 60, il est mort. Oh, un œuf. Ça va pas me servir à grand chose, mais bon. J'ai remplacé les 4 derniers plants de culture par du narcoberry. J'ai été faire un énorme plein. Ça m'a pris du temps. Je suis tombé sur des armoires aussi. J'ai retrouvé une pioche en métal. C'est déjà bien. J'ai refait le plein de pierre. Le plein de... Pointe en silex, branchage, de lag aussi, le plein de bois. J'ai rien fabriqué de plus. J'ai fait un peu de viande pour dire de faire de la viande séchée. Ça me servira après. Un énorme plein de flèches, ça m'a pris du temps. Et bon, comme vous voyez, il me reste déjà qu'une centaine de tranquillisants. J'avais la dalle, pas une grosse dalle, une dalle. J'en ai profité pour refabriquer un joli chapeau avec 60 d'armure. Ça fait plaisir. Et une meilleure durabilité. J'ai une longue vue, donc ça je vais le mettre là. Au niveau des points de talent, donc évidemment j'ai récupéré le reste de l'équipement, ça y est ça. Le fusil, la balle de fusil, mais je les ai pas encore fabriqués. Pas que je veux pas, hein, mais bon. J'ai fabriqué aussi le carreau de verre. Il me manque encore... il faut le plafond de pierre pour faire ça. Bon, c'est pas grave. Ça prendra un peu de temps. J'aimerais bien aussi faire le matos en métal qui tiendra un peu plus longtemps. Mais bon, ça coûte cher. Pas si cher que ça finalement. On va peut-être faire les jambières puisqu'on est là. Alors hop, armure métal, 100 d'armure, durabilité 120. Ouais, allez, va pour. Hop, et là ça me fait 310 d'armure. Alors dehors c'est un vrai carrefour à hop, ça gueule de tous les côtés. On va faire une chasse aujourd'hui. Je sais pas si tout le monde est déjà en train de me suivre. On va vérifier ça tout de suite. Bien, ouais, si je peux prendre le sarco aussi. Qui a encore. Ouais, lui il a fait le plein. Ah, bon. Non, en fait, c'est pas ça que je vais faire. Pas bouger. On va essayer d'aller capturer. Ça prendra peut-être un peu plus de temps.
encore à 9. Ça va peut-être être un peu compliqué. Bon, j'ai cru qu'on m'avait suivi. Alors, normalement, c'est celui-là qui a le plus de poids, si je me rappelle bien. 197. Ok. J'aimerais aller capturer un de ces foutus aux oiseaux géants. J'en ai eu un qui se trouvait sur la plage, mais quand j'ai traversé la flotte, en plus il s'était posé et tout, je m'étais dit je vais lancer un bolas, il bougera plus. Et ben quand j'ai lancé, enfin non, j'ai même pas eu le temps de le lancer, je suis sorti de l'eau, il s'est envolé pouf, comme un cinglé à une vitesse de dingue, certainement un bug encore une fois. Ah, c'est pété de bugs maintenant. Ils ont fait plein de mises à jour. Eh ben, c'est plein de bugs. C'est plus que ça. J'ai voulu faire un enregistrement entre deux. Je me suis retrouvé avec des carrés énormes en fond. À la place d'avoir des beaux coloris, quoi. Enfin, quelque chose de potable. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être une caisse, non? Bah rien. Vous voyez les caisses à XP là, il y a des trucs à trouver dans le jeu évidemment. On se contente pas de jouer pour dire de jouer. Je sais plus ce que je disais du coup, ouais c'est pété de bug. C'est la classe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se taper qui? Avec un Rex. Enfin pas un Rex mais un. C'est le prix de petit con. On va se poser là. Et cet oiseau de baleur. Là, j'ai essayé plusieurs fois de le capturer, je n'ai jamais eu. J'arrive pas à les choper au bolas. Et je suis pas sûr que ça les attrape en fait, le bolas. J'en ai déjà shooté plusieurs à la flèche, mais en général j'arrive à mettre une flèche et après basta. Alors. Peut-être que je tire un peu plus haut. Presque ça. Là il est trop loin de toute façon. Et on va essayer à la flèche anesthésiante, ça marche mieux quand même. Au bas. J'ai l'impression de tirer trop. Bon, ça marche pas. Faut que j'en trouve un qui soit vraiment pas très bon. Hein. Peut-être dans les montagnes. Bon, c'est un petit ça. Les montagnes, j'aurais peut-être plus de chance. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Alors, hop, 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 hop.
de la merde. Du coup, côté montagne, c'est un peu plus short. Il y a du chemin à faire. Là, on va le faire. Pas trop haut. Mais il est haut quand même. Ah non, hein, pas de frise, hein, putain de ta mère. Allez! Presque l'avoir blasse. C'est bien, on va se diriger vers les montagnes, on trouvera peut-être un truc un peu plus intéressant pour pouvoir les shooter. Et c'est pas encore le même ça aussi. Ouais, enfin, bref. On va se poser. Ça a l'air plus haut là-bas. Olé. Salut. Tu m'en veux pas, mais j'ai pas l'intention de rester là. Ok. On va recharger, on y retourne. J'ai aussi croisé un de nos méga géants là, les giganotaurus, un truc comme ça. Là. Bon, j'ai pas essayé de le tamer, c'est même pas la peine. J'aurai jamais assez de flèches. Putain de lag, merde. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir comme lag. Ah, mais si je vais là-bas, je risque vraiment d'avoir froid. J'allais récupérer un peu d'eau. Je vais finir par louper l'arrivée parce que cette saloperie n'est pas foutue de me guider correctement. Enfin, de pas laguer. Ah, il va peler là-bas. On va avancer quand même, mais je pense que c'est mort. J'ai chaud en train de... Ouf. Je
suis, je l'ai. Ok. Je l'ai à la seconde où je suis passé. Qu'il y aurait oh là, wow. Et aussi du scorpion. Olé, décolle, pendu. Allez, et c'est reparti pour les pixels. Vous voyez, super décor autour des arbres. Il a pas suivi le raptor? Si, le voilà. Ah, je te capturerai bien, mais j'ai vraiment pas envie. Là-bas, t'en as encore deux là-bas. Évidemment, tout ce qui m'intéresse, c'est là. Il y en a encore un là. Deux. Oh putain. Ok, on va se poser au sol. Très bien le tam, hein, mais si c'est faisable. Ouais, ce qui est faisable aussi, c'est de régène. Allez, on va régène. Faut que je me mette là où il fait un peu plus chaud. Voilà. J'ai pas la meilleure des tenues pour être isolé du froid. Comme ça, on va partir sur notre zone. Ah voilà, voilà, c'est le super décor où on voit rien. C'est tout ce qui m'énerve là.
c'est. Et ça y est, je vois plus rien, c'est fini là. C'est de l'avoir un peu plus loin. J'arrive même pas à le toucher, putain. À côté. Putain, je suis passé à travers. Ok. Il est tombé. Je crois que je l'ai eu. Tomber. Et allez, encore un freeze. Putain. Touché. On va aller voir. Où c'est qu'il est? Là-bas. On lui a mis deux flèches. Je suis en train de mourir de faim. Pas ici. Je monte. Ah, on va essayer d'aller en haut, il est en tête d'hôte. Mais oui, ici c'est la mine de fer. Là, on voit plus rien, pas de problème. C'est censé être le rouge et certainement que là-bas c'est le. J'en sais rien. Ça fait chier de. Bah c'est côté glace.
Non, je vais pas abandonner aussi vite. Bon alors, ils étaient où les cocos? C'est les oiseaux de malheur, les aigles ou des trucs comme ça quoi. Scorpion. Bon, on va essayer le troisième endroit. On va essayer l'autre montagne là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Oh! Ce serait une des fameuses grottes. Ah oui! Alors on va se poser, récupérer l'énergie. Il y a de la bébête. Hein. Il y a beaucoup de bébêtes à l'entrée. C'est ça, c'est une des entrées de grotte. Une de ces fameuses grottes. Oh oh. Putain! Tu bouges pas. Alors j'ai rien pour me battre à part des flèches anesthésiantes. Ah. Ramasser. Ouais, elle est tout doux, hein. C'est la première fois que j'y vais. Je sais pas du tout ce qui peut m'attendre. Bon, déjà, il y a de la lumière. Déjà bien. Alors, on a deux chemins.
Caillou à métal. Il y a une caisse. Accès. Ça m'a fait level up directement. Du coup, nourriture, j'en ai 20. On va augmenter un peu la santé, on va refermer ça vite fait. Ok, on va essayer de casser un peu ce truc. C'est du cristal. Champignon rare. C'est les mêmes cristaux que de l'autre côté. Oh, y a des chances. Bon. Pour remonter, ça va être marrant aussi, ça. Ça, c'est un cul-de-sac. Ça, il est possible que ce soit l'entrée par laquelle je suis arrivé. Ouais, il y a mon petit qui est là-haut. On va continuer de descendre. Mais je vais pas courir, je vais essayer de pas gaspiller l'énergie, ni l'eau, ni la bouffe. Pourquoi j'ai la bouffe qui continue de descendre comme ça? Donc j'ai deux trucs d'eau. 20 de bouffe. Et de quoi faire rien du tout parce que j'ai pas de bois. Ah, changement de lumière. Il y a un truc là-bas. Je dirais. C'est peut-être un des artefacts qu'il faut. Des plantes. C'est génial. Tombe pas. Et là, je me dis que la longue vue serait bienvenue. Alors, on a de la lumière, mais je sais pas si elle est naturelle ou non. C'est stressant. Waouh. On va continuer ce côté-là d'abord.
pas l'air d'avoir de bestioles. On dirait une sorte de... C'est space, on dirait du camouflage. Faire de mal. On continue de faire le tour. Ah ouais, je suis pas, je pourrais aller directement dessus, mais j'ai pas envie de tomber sur une bestiole qui me tombe sur le côté pendant que je suis en train d'aller voir. Surtout que de ce côté-là, on voit rien. Ça fait peur. Justement, ce genre de bestiole. Seul d'entre eux peut être porté par un être vivant. Bon. Il s'est rien passé, bon, on va remonter. Hein. C'est pas que j'ai peur, hein, mais quand même. Alors. Théorie, c'était de ce côté-ci. Théorie. Ça c'est le cul-de-sac de tout à l'heure, ouais, cool, je suis sur la bonne route. Là c'est la première caisse. Et je suis remonté. Merci. Bon, le tout maintenant c'est de ressortir de là. Un petit freeze, tant qu'à faire. Bon. Pas bouger. Allez, on y va à l'arrache. Yeah! Et donc, je vais le ramener à la maison. C'est pas que j'ai pas envie de crever ou quoi que ce soit, mais. À mon avis, on ne doit pas le trouver deux fois dans le jeu d'affilée.
Donc on va simplement rentrer à la baraque. Qui court. C'est un cerf. Bon, je m'attendais quand même à trouver des créatures souterraines, mais visiblement non. Ouais, j'ai dit que je repartais le baraque, mais bon, ce côté pilier rouge. Le seul gros avantage, c'est que c'est repérable. Métal. Aïe aïe aïe. Ok, on va stopper l'enregistrement et j'ai un bug donc de toute façon ça va couper. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure et puis je verrai à quoi ça sert. Allez, ciao ciao!